Good morgen, allez, Iden, les tuyaux aujourd'hui, le Nishmat Yona, Amram Yona ben Chana, Pegibet Esther, Nissim ben Aouda, aussi le Fouat Rout, Bat Glodin, Traina Simcha ben Masoudi, Efrat Mayan, Bat Léa, et Naftali ben Silka, Léa, Betor, Shan, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi des prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes l'éternel, nous étudions Maseret de Yod, Per Exaïn, Mishnah Daled, Heid Rabbi Tzadok al Zochalin, Shekilchan Bale Egoz, Shehen Ksherim. מעשה היה באהליה, ובא מעשה לפני לשכת הגזית, והכשירו. On continue à parler d'ilchot mikvaot, cette fois-ci pas avec un mikvé, mais plutôt avec le principe du mayan. On va d'abord traduire les mots, et puis après on va expliquer de quoi on parle. Heid Rabbi Tzadok al Zochalin Shekilchan Be'ale Egoz. Rabbi Tzadok, c'est agave, entre parenthèses, c'est le quatrième témoignage de Rabbi Tzadok, depuis le début du Berek. Il a témoigné Rabbi Tzadok sur des zochalim, donc de l'eau qui vient d'un maïan, shekilchan be'ale egoz, qu'il les a fait couler, orienter par l'intermédiaire d'un ale egoz, d'une peau de noix. Shehen kshirim, que malgré tout, l'eau est encore apte à purifier, elle est encore kshera, elle a encore un statut de maïan. D'accord, on va expliquer de quoi on parle tout de suite. D'abord, on finit. Maaseh haya be'aliyah, et il vient raconter d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la Mishnah ou c'est Rabbi Tzadok lui-même qui raconte, qu'il y a eu une histoire avec, dans une ville qui s'appelait Ahaliyah, où bas maaseh lifnei neshkat hagazit, et que là-bas il y avait une grande polémique entre les rabbanim, et ils ont envoyé la question au neshkat hagazit, au Bet Hamikdash, là-bas au Grand Sanhedrin, où il y avait les grands talmidei chachamim d'Israël qui siégeaient là-bas, ve'hirshiru, ils ont tranché que c'était effectivement permis. De quoi on parle? C'est très simple. Il y a, on avait expliqué déjà dans la Mishnah précédente, qu'il y a le mikvé et le ma'ayan. Le ma'ayan, c'est la source d'eau, l'eau de vie, qui a un statut particulier, qui a beaucoup de propriétés de purifier le zav, on utilise son eau pour faire un metzora, c'est une eau qui peut purifier pendant qu'elle coule, à la différence de l'eau de pluie, qui doit nécessairement être réunie, qu'il faut qu'il y ait pour l'eau de pluie 40 séines, comme ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente. Maintenant, quand considère-t-on qu'il y a que c'est encore un statut de Mayan? Ça touche aussi au l'chot mikvot, mais on va se concentrer juste sur l'chot du Mayan. De manière générale, vous imaginez bien que s'il y a une rivière qui passe près de chez moi et que je me débrouillais pour installer une pompe qui va me faire diriger l'eau dans mon mikvé, cette eau-là n'aura plus de statut d'eau de source. L'eau de source, elle doit être naturellement, s'écouler naturellement. Elle ne doit pas avoir une main humaine qui va entrer en ligne de compte pour pouvoir orienter, diriger cette eau. Ni une main d'homme, ni même, en fait, un cli qui boule, un récipient, et ni même aussi quelque chose qui va recevoir de l'impureté. Soit, on va d'abord prendre le cas plus simple. Imaginez qu'on a une rivière qui coule, et puis moi j'ai envie d'orienter maintenant qu'il va y avoir un petit bras de la rivière qui va s'écouler dans une direction. J'ai moyen de le faire, mais qu'en utilisant le sol à l'état brut, et pas en utilisant des ustensiles, pas en utilisant un ustensile en fer par exemple. Imaginez que je vais mettre une barre de fer, une planche, un plateau en fer, de manière à ce que l'eau, quand elle va arriver, elle va taper sur la planche et puis elle va dévier. Puisque le plateau est quelque chose qui communique la Touma, à partir du moment où je vais faire continuer le ruisseau par ce plateau, alors c'est fini, le ruisseau, il n'aura plus le statut de Mayan. L'eau ne sera pas impure, elle sera même pure, on pourra la récupérer et l'utiliser pour en faire un mikvé, mais en tout cas, elle n'aura plus le statut de Mayan. Parce qu'il lui manque cet état naturel de ça sort du cœur de la terre et puis ça dégouline tout seul. J'ai moyen d'intervenir, mais que en mettant, en fait, c'est le principe de la Mishnah, que en mettant des choses qui ne reçoivent pas la Touma. D'accord? Par exemple, je peux disposer des pierres, quand l'eau elle va dégouliner, elle va arriver, je vais mettre là-bas une pierre de manière à ce que l'eau elle va dévier, elle va ouvrir un nouveau bras de la rivière. Là c'est bon, j'ai utilisé quelque chose qui ne reçoit pas de l'impureté. Le chidouche de Rabbi Tzadok est de te dire que même si tu vas te retrouver avec quelque chose de très naturel, qui ne reçoit pas la Touma, mais qui a un récipient. Alors de manière générale, un récipient, c'est très embêtant. Un récipient, c'est l'antithèse du mikvé et du mayan. Étant donné que c'est maintenant, ça représente la main de l'homme qui manipule l'eau pour l'utiliser, donc il lui manque ce côté naturel à l'eau.
en théorie, par exemple, un mikvé, c'est ce qu'on appelle les maïm shéhouvin. Je ne peux pas remplir, imaginez que j'ai un mikvé avec une eau de pluie et je veux remplir un deuxième bassin. Je ne peux pas prendre un ustensile et transvaser comme ça. Il y a deux problèmes d'ailleurs. Il y a un problème d'abord parce que j'utilise un ustensile. Et il y a à part ça le problème que le fait que j'utilise la main humaine qui va utiliser l'eau pour remplir un mikvé. Ça doit être fait de manière tout à fait naturelle. Je peux provoquer que ça se remplisse naturellement. Dans les mikvot, quand on veut changer l'eau par exemple, on se débrouille pour remplir un mikvé existant et qui déborde de lui-même. Mais on ne va pas se prendre l'eau et la transvaser, d'accord? C'est des principes connus pour ceux qui ont déjà touché un petit peu le chod mikvot, le sachet mikvot. En tout cas, pour en revenir maintenant sur le chidouche de Rabbi Tzadok, il est donc de nous enseigner, même si finalement cette peau de noix, elle est égose, une feuille de égose, de noix, ben en fait c'est une peau de noix qui a une forme de récipient, je peux l'utiliser malgré tout pour que l'eau va taper dessus et continuer, parce que ça c'est pas un récipient, étant donné qu'on lui donne aucune importance de récipient. C'est pas Mekabel Touma, c'est pas du Mahal, c'est pas de la nourriture. Si j'avais fait la même chose avec des carottes qui sont des aliments, alors c'est fini, puisque la carotte est quelque chose qui reçoit, qui peut véhiculer l'impureté, puisque c'est un aliment, alors je ne pourrais plus diriger le ruisseau de cette manière. Mais malgré tout, le Alegos, puisqu'il n'est pas comestible, ce n'est pas un ustensile, alors ça ne me dérange pas le fait que. Et il soit malgré tout qu'il ait une forme de récipient, parce que c'est concrètement, c'est pas un récipient. C'est là le chidouj de Rabbi Tzadok, et puisqu'on a une mishnah courte, on n'a qu'à faire le Bartanora. Baale egoz, une feuille de noix. Haklipa achitsona shel egoz, l'écorce externe de la noix. Dehainu, haklipa ayeroka kshehilacha, qui en fait, on ne le voit pas tellement, nous les noix on le reçoit une fois qu'elles sont déjà séchées, mais si on avait des arbres. Alors on verrait qu'il y a là-bas d'abord une peau verte qui est assez épaisse quand elle est encore lacha, elle est fraîche. Veimasa kemin marzev, donc s'il a utilisé pour la, il a orienté un petit peu pour en faire une forme de marzev, de tuyau, de gouttière. Liyot amaim azochalim nirnasimba ou mekalchin mimena lachus, de manière à ce que l'eau maintenant va pouvoir entrer dedans et puis ensuite dévier vers une autre direction. Din zochalim yesh lamaim amekalchin mimena. L'eau qui va dégouliner par son intermédiaire aura encore un statut de zochalim. Le zochalim, c'est ce qui définit l'eau du ruisseau qui s'écoule de manière naturelle. Pourquoi? Et cette eau, elle sera encore kshérim pour l'utiliser pour en faire les mechatat, l'eau du metzora, où on va tremper là-bas le oiseau pour la purification du metzora, ou même pour organiser qu'un zav va se tremper dedans. Velo amrinan, on ne veut pas dire oil venirnesu betoch klipa, parce qu'on aurait pu croire que quoi? Oil venirnesu betoch klipa, puisque l'eau allait entrer dans une klipa. Le klipazo, sheyesh la bet kiboul, elle a une allure de récipient, de contenant, ou misha mekalchin la chutz, et de là-bas elle ressort et elle dégouline l'eau. Donc j'aurais pu croire, shuv lo yelem din zochalin, j'aurais pu croire que. Je ne dirais plus que cette eau a un statut de zochalim. Les fichot aklipa et nachashuvakli. Mais on ne dit pas ça justement parce que cette peau, cette écorce, n'a pas un statut de kli, d'ustensile. D'accord? Et les lishkatagazit, c'est quoi la lishkatagazit? Les leshachot au bet amigdash, ça a besoin d'Hachem. Quand on arrivera dans la sechet midot, on apprendra toutes les leshachot, toutes les petites pièces qu'il y avait autour du bet amigdash. J'oublie comment ça se dit en bon français, mais c'est pas grave. Les Kajibi, je sais pas ce que... D'accord, en tout cas, il y avait là-bas l'Ishkat Agazit. C'était là-bas Sanhedrin Yudola, chez Yushvin, mais l'Ishkat Agazit, le grand Sanhedrin, les très grands Khamim, les 71 grands juges d'Israël, qui siégeaient là-bas dans la l'Ishkat Agazit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.